8% des voix. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhare Faye, le 24 mars dernier. Et en ce jour 2 avril, qui marque aussi la fin du mandat de son prédécesseur, le Conseil constitutionnel reçoit son serment. Il s'agit là d'un véritable coup de maître. Le dispositif électoral, dans toutes ses composantes, a démontré une fois encore sa fiabilité. Nous le devons à l'expérience, l'expertise et la neutralité de l'administration électorale et des différents organes de contrôle de la régularité des élections, ainsi qu'à la transparence et la célérité notées à toutes les étapes du recensement des votes, vu qu'aucune contestation n'a été formulée. Nous le devons aussi, il faut le dire, à l'engagement du président Macky Sall, qui, avec la détermination qu'on lui connaît, et dans un délai record, a repris en main le processus électoral avec comme seul objectif un scrutin apaisé et transparent, quel qu'en soit le vainqueur. Monsieur le Président de la République, permettez-moi d'adresser quelques mots à votre prédécesseur, Monsieur le Président Macky Sall. Monsieur le Président Macky Sall, vous voilà au terme de vos deux mandats au sommet de l'État, obtenus en 2012 puis en 2019. L'histoire retiendra de vous que vous vous êtes abstenu volontairement et sans aucune contrainte de solliciter de vos compatriotes un troisième mandat afin de nous éviter la probabilité d'une source potentielle de troubles intenses. Point n'est besoin de dresser une liste qui serait kilométrique de vos réalisations multiformes puisqu'elles sont visibles comme ce magnifique centre des expositions de Djamnado qui abrite notre audience. Nous retenons de vous, Président Macky Sall, un excellent garant de l'unité nationale, attribution emblématique que le Président de la République tient de la Constitution. Les félicitations que vous avez adressées à votre successeur et la convivialité avec laquelle vous l'avez reçu au Palais de la République, avant même la proclamation des résultats définitifs, témoigne de votre attachement viscéral aux élégantes traditions républicaines issues des principes de la démocratie et de l'état de droit. Nous souhaitons au président Macky Sall que sa belle expérience nationale et internationale soit à nouveau profitable à notre pays et à notre continent. Honorables invités, le Conseil constitutionnel, juge de la régularité des élections nationales et garant de l'état de droit, a, en application de l'article 35 de la Constitution et des résultats constatés, proclamer la victoire de M. Bassirou Diomaye Diakhare Faye à l'élection présidentielle du 24 mars 2024. En effet, c'est sans bavure que le peuple sénégalais a choisi massivement de porter ses espoirs sur ce compatriote dont, à première vue,
l'image et le discours sont empreints d'humilité et de sobriété. Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhare Faye. Vous êtes le choix incontestable et éclatant du peuple sénégalais. Et vous symbolisez la volonté de notre peuple de changer de paradigme dans sa gouvernance et de génération dans son gouvernement. Vous portez désormais sur vos épaules les espoirs de toute une nation, en particulier de ces jeunes hommes et jeunes femmes, accompagnés parfois d'enfants, dont l'aspiration à un travail digne et une vie décente est encore intacte, au point de risquer leur vie en affrontant les océans ou l'immensité des sables du désert dans une quête tragique et souvent illusoire d'une vie meilleure ailleurs. La cérémonie de prestation de serment du président de la République est tenue sur le fondement de l'article 37 de la Constitution qui dispose « Le président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant le Conseil constitutionnel. » Monsieur le président de la République, le serment que vous prêterez tout à l'heure vous commandera, au sortir de cette audience, de toujours promouvoir et défendre les valeurs africaines en général et sénégalaises en particulier. Il y a comme une exigence de solidarité, malgré nos diversités culturelles, géographique, religieuse, entre autres, qui justifie la présence à vos côtés et aux côtés du peuple sénégal d'éminents chefs d'État de pays amis et de pays voisins, ainsi que les représentants d'institutions régionales et internationales venus célébrer avec nous l'une des plus belles fêtes de la démocratie. Nous les saluons et les remercions d'avoir rehaussé de leur présence la solennité de cette audience. Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhare Faye, le Conseil constitutionnel vous renouvelle en son nom et au nom du pouvoir judiciaire qui nous a dûment habilités. Ses vœux de succès et ses chaleureuses félicitations à vous, à votre famille, parents, amis et militants qui certainement vous ont accompagné jusqu'à ce jour. À l'heure où surgiront les inévitables tentations du pouvoir, l'ivresse de la puissance, les démons de la division, il faudra se souvenir de la main de Dieu dont la volonté domine et détermine inéluctablement les moments que nous vivons. Prions que cette bénédiction divine ne cesse de tirer notre pays de tous les traquenards tendus par la main de l'homme, en particulier dans la perspective d'une exploitation prochaine et porteuse d'espoir du pétrole et du gaz. Monsieur le Président de la République, vous êtes désormais le garant de la démocratie sénégalaise, du respect des institutions,
des droits et libertés, gage de la stabilité de l'État et de l'unité du peuple sénégalais dans sa diversité. Prions que les espoirs de notre peuple, placés en vous, Monsieur le Président de la République, fleurissent et portent leurs fruits. Que le Tout-Puissant vous assiste. Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, au nom du peuple sénégalais, le Conseil constitutionnel va recevoir votre serment. Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, veuillez lever la main droite et prononcer la formule du serment. Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal, d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire, l'indépendance nationale et de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine. Je vous remercie. Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, élu président de la République du Sénégal. Le Conseil constitutionnel vous donne acte de votre serment et vous installe dans vos fonctions. Le Conseil constitutionnel dit que du tout, il sera dressé procès-verbal conformément à la loi. Monsieur le Président de la République, plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'audience est levée et nous sollicitons qu'il vous plaise permettre au Conseil de s'approcher de vous. L'audience est levée. Ovation pour Bassirou Diomaye Faye, cinquième président de la République du Sénégal. Le Conseil constitutionnel vient donc de l'installer dans ses nouvelles fonctions. Il sera le garant de la Constitution, président de la République, chef de l'État du Sénégal. Et il devra justement, comme l'a rappelé le président du Conseil constitutionnel, M. Amadou Badiou Camara, de répondre aux aspirations du peuple avec tous ces espoirs que nourrissent les jeunes du Sénégal, jeunes hommes et femmes du Sénégal, qui donc ont participé à son élection. Et vous le voyez sur ces images, les membres du Conseil constitutionnel qui viennent le saluer Bassirou Diomaye Diakhar Faye, cinquième président de la République. Dans son discours, le président du Conseil constitutionnel lui a donné trois conseils: éviter l'ivresse de la puissance, les démons de la division et se rappeler toujours, constamment, de la main de Dieu qui aujourd'hui lui a permis de présider aux destinées de ce si grand pays qu'est le Sénégal. Konagra Maboy, président de la République, Bassirou Diomaye Faye, son excellence,
est définitivement installé dans ses nouvelles fonctions. République du Sénégal, le président Badio Camara, à quoi conseil constitutionnel nous andal sampunanyo kochi ligayam bobes legna Ibrahima séance bi levé nañ ko mais légui jéxagul da fay dal di dem ci palais ba fekk fa ki nga xamni mom li fi wotu le président Macky Sall ñu agalé li nga xamou jëm ci walu xew xew tay ji mo ngok président cour constitutionnel mom sibopam conseil constitutionnel mom sibopam delone ñukel président Macky Sall engagement bimu jël taxaway bimu am be élection yi ci dir bu gatt ñu mën ko def lepp jaar yoon amul contestation ki nga xamanté mo ni Mohamedou Bakhtar Cissé ministre de l'intérieur conduire scrutin bi be finalement Bassirou Diomaye Faye nek président de la République ñu délo ko ñukel mom ak président Macky Sall président conseil constitutionnel moko don fateli legui ni sen taxaway ak conseil ak dalal bi mu dalal Bassirou Diomaye Faye teppale avant même ñuy joxe résultat définitif du conseil constitutionnel parce que ñom rek ño yoré cadre gu mu jugi ci mbirum élection lata lo le président Macky Sall dalal nako palais ñu waxtan ñu safanto du ñak sax wéccio ay xalaat ci Sénégal nu mu wara doxé té président Badio Camara wax nako nénako expérience du président Macky Sall am ci mirum gérer état lépp lu jëm ci mirum goor war nañ ko mëna kon né jëfëndiko wayé tay ki di Bassirou Diomaye Diakhar Faye di ndawum Sénégal mom moy jël li nga xamanténé modi raya réew mi té sank rek ñi ngi doon fatali encore une fois de notre programme qui se déroulera comme suit. Tout d'abord, Son Excellence Monsieur le Président de la République sera respectueusement invité à se retirer à la salle d'attente pour se faire porter l'écharpe de Grand Croix de l'Ordre National du Lion et la plaque. À l'issue, il rejoindra le Présidium pour se faire remettre le collier du Grand Maître de l'Ordre National du Lion. Ensuite, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, prononcera son discours d'investiture. À la fin de son adresse, Monsieur le Président de la République recevra dans l'ordre les félicitations du Président du Conseil constitutionnel et les membres de Mesdames les Premières Dames, de leurs Excellences, Monsieur le Chef de l'État, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, des chefs de délégation et enfin des présidents de l'Assemblée nationale, du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental. À l'issue de cette séquence, Monsieur le Président de la République va se retirer pour recevoir les honneurs militaires qui lui seront rendus par un détachement interarmé. La revue du détachement mettra fin à la cérémonie de prestation de serment. Je vous remercie de votre aimable attention. À présent, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, est respectueusement invité à se retirer à la salle d'attente pour se faire porter l'écharpe de Grand Croix de l'Ordre National du Lion et la plaque. À l'issue, il rejoindra le Présidium pour se faire remettre le collier du grand maître de l'Ordre National de Lyon.
Voilà donc le cérémonial qui se poursuit. Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhate Faye, en compagnie de son Excellence Mamadou Ndiaye, chef du protocole de la présidence de la République, avec le grand chancelier, le général Meissagnan, qui vont procéder justement à l'autre aspect de cette cérémonie officielle. Il va recevoir donc les sceaux de la République à travers ce collier que Ibrahim Anouk nous a présenté dans le journal du grand maître de l'ordre national du Lion, parce que c'est ça la tradition républicaine. Et dans un instant, ce sera donc Feira Mabouy. Nous avons célébré le 64e anniversaire dans deux jours, nous allons célébrer le 64e anniversaire de notre indépendance. Ce qui veut dire beaucoup de choses pour sans doute cette jeune génération d'hommes politiques qui prend le pouvoir aujourd'hui à travers Bassirou Diomaye Diakhate Faye. Et tout à l'heure, nous annoncions également que le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, est bien présent dans la salle, de même que le premier ministre Sidiki Kaba. Ils sont tous là pour assister à cette cérémonie officielle qui consacre l'investiture de Bassirou Diomaye Diakhate Faye comme président de la République du Sénégal. À partir de maintenant, d'aujourd'hui donc, il sera installé dans ses nouvelles fonctions. Et le président Badiou Camara, tout à l'heure, rappelait ce qui s'est passé juste avant cette élection, les péripéties, ce qu'on a connu avec ces suspicions sur le fichier électoral, sur le Conseil constitutionnel. Et aujourd'hui, il a rappelé qu'il n'y a pas eu de crise institutionnelle au Sénégal. Après, justement, que des députés de l'Assemblée nationale aient voulu justement enquêter sur ces supposés actes de corruption contre certains membres de ce Conseil. Et certains, par honneur et par dignité, ont dû démissionner. Il a rappelé que le Sénégal reste le Sénégal, ce pays où l'électeur est le seul maître du jeu quand il s'agit d'élire une autorité politique. Il a rappelé encore une fois cette sagesse de tous les chefs d'État du Sénégal qui ont toujours respecté les décisions du Conseil constitutionnel. Kon dit dagay woné mi gën ndax bu suba ku la wootu wana mëna def li gën li nga def motax mi ngi fatali tay di ni ñom musuñu am jafé jafé ak président yi fi nek yi fi mësa nek ndax décision yi mësa jël yépp ñom président yi dañ ci tënku ak ciow li mu bëré avant élection yi ak yépp mi ngi fatali ni ñom duñu nekké sen ay xarit yu nek biti rew parce que so nekké juge wala magistrat wala journaliste nga am ay xarit fenen ño xamné yéna jangundo
mais fatel ni ñoo ñep dañ leen di né Sénégal la luñu jaaxal moy sa ñu démé mi fogné gal gi dana sour ci mbirum politique ngeen jogat nek ben tok waxtan ba jubo Sénégal pays de dialogue Senghor djumulon ndax dialogue amna fi avant élection yi di am ni d'accord ci li ni baña d'accord ci li mu ñu démé ba ci bir président Macky Sall xamni li teunk ko ci élection ñu def ko kuy gagné gagné mo gëna wo amul ay lam lamé troisième mandat wala ay élection du am wala ñom nit sen tay ji président conseil constitutionnel Fatou Ndoko néna administration sénégalaise ak ñi nga xamantene ñoy gérer élection et DG Sénat avec une justice mën koy wax neutre et indépendante parce que tay ji tamit Fatou Ndoko sénégalais justice bi nu mu teudé ñaxanaay loolu lañ koy waxé ci mbirum politique té loolu dafa am solo parce que lu melni institution judiciaire du troisième pouvoir dans un système démocratique institution bobu dañ ko wara ciëral ñom aussi ñu gën leen ñaax gën leen ñaanal ñu def seen liguey ci anam yu gën parce que juge dafa 10 juge dafa 10 nek président de la république dafa 10 peut-être que ça bokk ni ci liguey yo xamantene so amé deglu rek ak setlu mën na nek lu yomb ci yow motax président neko président conseil constitutionnel neko moytul l'ivresse de la puissance manam bu le pouvoir bi jey ma nga jey lu le pouvoir bi di may yeb bu motax nga melni ku nan dara be mandi wala nga dem be fogné kenen nga kudul sa borom parce que mi ngi koy fatali ni bul meussa faté sa borom nga xamné mo tek loxom ci sa élection bi lé ndaw yi yaakar ci yow jigéen yi yaakar ci yow ñi nek ci région sénégalais ñi nek ci village yi nek ci dëkk bi nek ci administration sax yaakar ci yow mané ko moytul les démons de la division manam seitané yoyu nga xamantene tagalé rek mo la tagalé féwulé lañ fi nekké parce que lu bëré so nekké président rek yalla may la cër bobu da ngay commencer am ño xamantene dañ lay indil yenen ni façon diko motax président bi aksina ki di grand chancelier mo kay xarandi ni ngi takal ko li nga xamantene moy woné ni mom tay jilé sol na costume président de la République du Sénégal magok je voudrais respectueusement inviter moi le général de corps d'armée grand chancelier de l'ordre national de Lyon à venir remettre à monsieur le président de la République le collier du grand maître de l'ordre national de Lyon voilà le général Meissignon grand chancelier de l'ordre national du Lion, qui va donc se rapprocher du cinquième président de la République, gardien de la Constitution, les sceaux de la République lui sont remis. La signature du procès verbal de remise de collier se fera ultérieurement au palais de la République. Parce que lui, benen mbir la aussi excellence am de si collier bi amna gayne amna bawo ñu ngi amlé bu Sénégal OK j'ai ni l'honneur de prier très respectueusement son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye président de la République du Sénégal de prendre la parole pour son discours d'investiture. Les ovations de la salle, l'ovation de la salle pour accueillir Bassirou Diomaye Faye qui va prononcer son premier discours officiel en tant que président de la République du Sénégal. Mesdames et messieurs, vous êtes en direct sur la RTS et dans un instant, le peuple sénégalais, toute la nation, le monde entier attend
d'entendre ce discours du 5e président de la République du Sénégal. Excellence, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie et président en exercice de l'Union africaine. Excellence Nana Addo Akufo-Addo, président de la République du Ghana. Excellence Adama Barrow, président de la République de Gambie. Excellence Dr Julius Mada Bio, président de la République de Sierra Leone. Excellence Umaru Sissoko Mbalu, président de la République de Guinée-Bissau. Excellence Général de Corps d'Armée Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée. Excellence José Maria Pereira Neves, président de la République de Cabo-Verde. Excellence Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria. Excellence Tiemoko Meile Kone, vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Excellence Colonel Malik Diaw, président du Conseil national de transition de la République du Mali. Excellence Monsieur Ousmane Bougouma, président de l'Assemblée législative de la transition du Burkina Faso. Excellence Monsieur Edouard Ngirente, Premier ministre de la République du Rwanda. Excellence Monsieur Aziz Akhanouche, président, Premier ministre du Royaume du Maroc. Excellence Monsieur Moussa Faki Mohamed, président de l'Union africaine. Monsieur Omar Alieu Touré, président de la commission de la CEDEAO. Monsieur Abdoulaye Diop, président de la commission de l'UEMOA. Monsieur le président de l'Assemblée nationale. Monsieur le Premier ministre, Madame la présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le président du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, Mesdames, Messieurs les ministres d'État, Monsieur le Premier président de la Cour suprême, Monsieur le procureur près la Cour suprême, le procureur général près la Cour suprême, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental, autorités administratives, territoriales, religieuses et coutumières, distingués hôtes, Mesdames, Messieurs, en vos titres, rang et qualité. Je voudrais, à l'entame de mon propos, vous saluer et vous remercier, Excellence, Monsieur le Chef d'État, pour l'amitié et l'honneur que vous nous faites en rehaussant de votre présence cette cérémonie d'investiture. Au nom du peuple sénégalais et en mon nom personnel, je vous souhaite un agréable séjour au Sénégal, pays de la Teranga. Mes salutations et mes remerciements vont aussi à tous les pays amis et institutions partenaires qui ont envoyé des délégations ainsi qu'à tous nos invités. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, je voudrais vous remercier et remercier les membres du Conseil pour vos félicitations
et vos propos bienveillants. Je voudrais souligner et apprécier le rôle important joué par votre institution dans le bon déroulement du processus électoral jusqu'à son terme. Le 24 mars 2024, le peuple sénégalais a voté dans le calme et la sérénité, faisant de moi le 5e président de la République du Sénégal. Et ce, dès le premier tour, avec 54,28% des suffrages valablement exprimés. Je mesure le poids de la responsabilité et la gravité de la charge. Et qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, le Maître des destins, et d'exprimer ma profonde gratitude à ma famille pour son soutien indéfectible et surtout au peuple sénégalais pour la confiance placée en moi. Ce grand peuple que nous sommes, au prix de vies perdues, de blessures irréversibles, de libertés confisquées, de carrières brisées, a démontré à maintes occasions et dans des moments critiques son attachement à la paix et aux valeurs républicaines. En m'adressant à ce jour, à vous à ce jour, il me revient le douloureux souvenir des martyrs de la démocratie sénégalaise, des amputés, des blessés et des anciens prisonniers. Je garderai toujours à l'esprit les lourds sacrifices consentis afin de ne jamais vous décevoir. Hommage doit aussi être rendu à nos aînés qui se sont battus pour l'avènement de la démocratie sénégalaise. Ils ont posé les solides fondements d'une nation indépendante et d'un état de droit, secoué par moments, mais toujours debout. Nous leur sommes redevables pour les valeurs de liberté, de justice et de progrès qu'ils nous ont données en héritage. C'est pourquoi il est essentiel que nous connaissions les succès et les échecs de nos devanciers, les chemins humbles qu'ils ont suivis, puisque nous sommes la résultante de tous leurs efforts. Voilà pourquoi, en définitive, c'est le Sénégal qui a gagné le 24 mars 2024. Je suis conscient que les résultats sortis des urnes exprime un profond désir de changement systémique. À travers mon élection, le peuple sénégalais s'est engagé dans la voie de la construction d'un Sénégal juste, d'un Sénégal prospère, dans une Afrique en progrès. Et dans cette œuvre de construction d'un Sénégal nouveau, je travaillerai inlassablement à la préservation de la paix et à la cohésion nationale. Je garderai à l'esprit que notre ressource la plus précieuse demeure la stabilité de notre pays. Je mobiliserai les Sénégalais d'ici et de la diaspora autour d'un projet national fédérateur et orienté vers un futur serein. Je m'engage par la promotion du culte du travail, de l'éthique dans la gestion, de la discipline et de l'amour de la patrie à mettre résolument et durablement le Sénégal dans la voie du progrès économique et social. Sur le plan africain, l'ampleur des défis sécuritaires et des nombreux défis que nous devons relever nous oblige
à plus de solidarité. J'entends clairement la voix des élites décompressées qui disent haut et fort notre aspiration commune à plus de souveraineté, au développement et au bien-être. Aux côtés de mes pères africains, je réaffirme l'engagement du Sénégal à renforcer les efforts déployés pour la paix, la sécurité, la stabilité et l'intégration africaine. Aux pays amis et aux partenaires, je réitère l'engagement et l'ouverture du Sénégal à des échanges respectueux de notre souveraineté, conformes aux aspirations de notre peuple, dans un partenariat mutuellement gagnant. Le Sénégal, sous mon magistère, sera un pays d'espérance, un pays apaisé, avec une justice indépendante et une démocratie renforcée. Avec une justice indépendante et une démocratie renforcée. Telle est ma promesse sur la foi du serment que je viens de prêter devant Dieu et devant la nation en votre présence. Messieurs les chefs d'État, vice-présidents, chefs d'État et de gouvernement, mesdames les premières dames, mesdames, messieurs, les chefs de délégation, mesdames, messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Le discours du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, après sa prestation de serment en direct du centre des expositions de Jamia Joe, il a pris l'engagement d'être le garant de la Constitution. Au Sénégal qui aspire à beaucoup plus de souveraineté. Au Sénégal où la justice sera indépendante. Au Sénégal à présent, qui pourra à venir chaque jour travailler pour sa prospérité. Et c'est ça que le président Bassirou Diomaye Faye s'est engagé à faire après sa prestation de serment Ramaboy comme président Warner. Discours bu responsable bu génn ci lamiñu ko responsable tabbi ci nopp ñu responsable Ibrahima discours bi dal na xel té nak discours bi dal mën nañ ci am yaakar gu bëré 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 da fay dem nuyu soxna mi madame les premières dames Ramaboy lolou lañuy wax yow mi amna solo sakku ay ñaanal sa suné yakam ci meye jaba mil bangok dafa xew ñaanal ci bopam mo xew finalement lolou la xalé yi wax en tout cas atcha tonte bi dal yeex na Ibrahima le chef de délégation ben nekkon ñew nañu ko ndokkel dañu nekkon ci lu upp solo lolou Ramaboy li moy événement bi président de la République du Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye El Ghazouani, moy dalal ay ganu Sénégal ñom ñoy ñew ben kenn kenn ñew nuyu ko voilà président Mauritanie di président Union africaine Mohamed Ould El Ghazouani mom moy ñëk nuyu ki nga xamantene mo di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi ngi fàttali aussi jiitu réew Mauritanie mi ngi fàttali aussi ni mu nammee liggéey pour que Afrique nekk continent une Afrique de progrès comme il l'a dit nekk continent boo xam ne day gën a jëm kanam gën a soqaliku ba ngoog président Ghana Nana Akufo-Addo moom mooy ñëw nuyu le plus jeune président de la République du Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye gis nga nag ree bi ak xool bi da ngay xam ni moom comme on dit en français il est droit dans ses bottes ku dëggu la maanaam dal bi seetlu nañ ko si moom teey bi seetlu nañ ko si moom dal na teey na yar bi
Son Excellence Adama Barrow, président de la République de Gambie. Représenté naw yi nga xamanteni ñi ngi judd après les indépendances et après et après manam 1985 di joxe pouvoir bi ci lay judd 44 ans après mu ñew nek président de la République du Sénégal da paré bu doli ci nek sére comme Senghor yow mom yow yeen ñaar mom ma ngok tamako ci bour moro mom kon son excellence Adama Barrow di njitu rew Gambie moy ndokel nonu président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et, mais Ibrahim, est-ce que nous le plus jeune président de l'Afrique? Je pense que l'Afrique est le cadet des présidents élus dans ce continent africain. Et il vient du Sénégal. Et c'est tout à l'honneur de notre pays parce qu'il l'a rappelé tout à l'heure. Au-delà de son élection, c'est le Sénégal qui est sorti vainqueur de ce scrutin du 24 mars 2024. Président de la République du Sénégal, yep, nek ci réew mi bitim réew yep. Waaw, wax na ko sama diaspora. Ñom tamit japp nañ ci parce que bon, sank rek jot nañ ci waxtaan ak ñaari nit. Bon, comme on dit, Sénégal fo mënti nek war ko mëna ligéyal. Muy ku nek Madakhoun wala ci diaspora bi fele Tokyo, ñu lay nuyu Sénégalais yi nek fofu. États-Unis, Canada, Italie, France, ñom ñep, machallah. Voilà. Sénégal de Corps, Amérique. Mamadou Guinée-Bissau, président Guinée, Mamadou Doumbouya. Voilà, invité surprise bi Ibrahim. Wow. Vraiment li mom neex nañu lol. Mom comme niñ koy waxé, xalé yi comme niñ koy waxé amna buzz, amna il a la cote. Amna buzz, parce que xam nga nak ça y ko tuddé rek gaay tatchu. Mais c'est ça ak niñu mel ak wa Guinée lol motax buñu tuddé sen njitu rew wax deug Yalla xol yepp ay fex. Motax waaw. Amna cadeau yi dég fani sax si yenn mbiri concernant étranger ici au Sénégal. Ouais, wax deug Yalla. Sénégal ak Guinée ben dëkk la mom. Guinée mom ñu rek ñu ben lañu deug Yalla. Atcha, président Cap Vert. Le président Neves qui vient également saluer le président de la République du Sénégal. En direct sur la RT, ces images sont fortes. Images rafraîchies de l'Angisme. Monsieur président de la République fédérale du Nigeria. Ces images de l'investiture du président Bassirou Diomaye Diakhaté Faye. Le président du Nigeria, le président Tinubu. Bu solo ni sax xel da fay dem ci Obasegun Obasanjo. Xam nga ni la dan solo. Wa Nigeria, Nigeria ñom xam nga. Oui, il est devenu observateur, je pense. Oui. Ci affaire élection. Président des observateurs africains. Son Excellence Monsieur Tchemoko Meyeng Kone. Vice-président bu Côte d'Ivoire muy ñew. Man ko don wax mo don ancien gouverneur BCAO yag Dakar fi nek ci siège bi. Mais président Alassane Ouattara, dans le Kodef, vice-président Yebal Kofi, nous avons représenté aussi l'investiture président de la République du Sénégal. Côte d'Ivoire, Sénégal, voilà, la même famille hein, qui se retrouve. Et c'est pour cela qu'on les a laissés gagner la Coupe d'Afrique tranquillement. Président du Conseil national de la République du Mali. Le président de l'Assemblée nationale, voilà, du Mali, Diao, qui vient saluer également le président Bassirou Diomaye Diakhaté Faye. Quand il parle de souveraineté, c'est dans l'ordre normal des choses dans cette Afrique. Parce que de plus en plus, on sent que les peuples africains ont besoin de montrer qu'ils peuvent se prendre en charge avec des leaders à la hauteur de leur mission et des attentes. Président de l'Assemblée législative, tout des Mali, des Gaïtatou, Guinée Gaïtatou, parce que il faut un message pour lancer Burkina Faso. Pour voir en Afrique, maintenant, dans le Bopom, il faut que nous liguions avec puissance étrangère. Il y a une de qui, nous n'y a pas. Et Bassirou Diomaye, président de la République. Fatali noko sank ci discours ni mënul ñak faaw nga
liguey ak yenen réew son excellence Afrique ak bitim yenen continent premier ministre de la république du Rwanda bien sûr parce que xam xam du italien du américain du sénégalais xam xam du japonais xam xam nit moko mom nit lañ ko jaglel la ko sa borom jaglel kon lepp lu nit meuna def rek borom mo meun nako def Je suis un homme. So bëggé défat avion fa wolen so bëggé wala nga dem jangi fa sen kap xam xam kawé na mais du xam xam bo xamné ñoko mo xam xam nit la nit moko mom ministre des affaires étrangères kon président commission union africaine mondiale légui et puis li moy woné xolal président de la république du sénégal 44 ans jang il a connu des échecs parce que commissaire de police le bëggone nek Monsieur Omar Aliou Touré, président de la commission de la CEDEAO, inspecteur des impôts et domaines. Quand on sait que tout le monde est là, il n'y a pas de travail. Surtout les Sénégalais. Les Sénégalais, Ibrahim, ce que je veux dire, c'est qu'il peut le faire. L'essentiel, le président de la commission de la CEDEAO. Les étudiants, les étudiants, dans la sous-région ouest-africaine, Abdoulaye Diop, donc, qui salue le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Nous sommes Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Si nous voulons aller à Mbiri, nous découvrons les gens. Nous sommes tous les gens. Et c'est le président de l'Assemblée nationale, Amadou Mam Diop, vraiment. Nous sommes félicités. Voilà. Bienvenue, président de la République, à l'institution Sénégal. C'est le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Voilà, donc. Juge ignore qu'il est installé, mais après, il y a un pays du Haut Conseil des collectivités territoriales. Donc, c'est place. Ibrahima Aminata Mbengendiaye Niou, au Conseil des collectivités territoriales. Voilà, la. Troisième institution du Sénégal. Nous sommes tous ici parce que nous respectons le protocole républicain. Dis que le président Bassirou Diomaye Faye le modèle, il faut que nous fassions. Ah oui, oui. Comme que le président Aminata Mengdiaye, comme que nous avons tout ce que nous si tant qu'il y a. Monsieur le président du Conseil, c'est le yarmok. Je suis un homme. Voilà, Sénégal n'a pas inspecteur des impôts et domaine du def politique de plus en plus. Excellence, voilà, mesdames, messieurs, honorables invités.
C'est des gens qui se connaissent. Excellence. C'est comme Monsieur le Président de la Jamaï, Amadou Ba, Ousmane Sonko, Abdoulaye Daouda Diallo, cher Ba, cher Tidiane Ba, ancien directeur général également des impôts et domaines, qui est directeur général de la Banque agricole actuellement. C'est des gens qui se connaissent, c'est des personnes qui se connaissent, qui ont travaillé à la direction des impôts et domaines pendant des années et qui ont contribué à hisser cette institution au plus haut sommet des régies financières et qui contribue à renforcer l'économie du Sénégal. Voilà. Salon d'honneur, Madame Sall, Binko Djaglel. Parce qu'à partir de maintenant, sécurité, l'EPM, la garde présidentielle, n'y aurait géré. Protocole, la garde présidentielle, n'y aurait géré. Oui, mais ay républicains yu maga xam sen rew xam sen wa rew xam sen liguey té diko doxale ci anam ñu mu gëna rafété ñoñ nak ñom tout temps say buñu nek nak duñ leen gëreum ndax sen liguey lañu def waye dañ leen di ñaanal yalla gëna yagal sen taxaway muy kilifa yek kilifa yi nga xam ñoo nek ci armée bi kilifa yi nga xam ñoo nek ci gendarmerie kilifa yu police bi ak wa sapeur pompier ak wa douane sen liguey.